Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire célèbre ce lundi la Journée africaine de la statistique. Cette journée, instaurée en 1990, vise à sensibiliser les populations sur le rôle de la statistique dans la vie économique, sociale et culturelle des pays africains. Plus de sorties détente sur les plages de Grand Bassam, d'Azuréthi et de Mondoko jusqu'à Nouvelle-Andre. C'est une décision du préfet de Grand Bassam, Mathias Diomont, à la suite de nombreuses dérives constatées sur ces plages. Autre information, une centaine d'élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro étaient ce samedi sur les chantiers de l'échangeur de la Riviera 2 et du troisième pont de la Riviera Golf. Une belle visite qui donne envie aux jeunes de travailler avec rigueur pour bâtir la Côte d'Ivoire de demain. Franck Kouadio. Riviera 2, travaux de construction de l'échangeur. Casque de protection vissé sur la tête, une soixantaine d'élèves du lycée scientifique de Yamoussoukro suspendus aux lèvres du coordonnateur du programme d'urgence d'infrastructure urbaine, Pierre Demba, explique aux élèves et à la délégation ministérielle en visite l'utilité de cet ouvrage public. Compte tenu de l'environnement du projet, vous voyez, il y a des lignes haute tension qui passent, il y a des bâtiments. La solution qui a été adoptée, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler entre guillemets un tunnel, c'est-à-dire une trémie. Faire passer la voie principale en dessous et faire le giratoire à niveau avec des ouvrages. Des élèves sur un grand chantier à la Riviera 2, puis sur celui du pont Henri Conan-Bédié à la Riviera 3. L'initiative est du ministère des Infrastructures économiques soutenue par l'Éducation nationale. Il s'agit de présenter aux élèves la face visible des grands défis en matière de développement. Vous êtes venus aujourd'hui pour essayer de développer en vous le goût des grands projets et le goût et l'amour de développer son pays. Nous sommes venus leur donner espoir pour leur dire il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a du travail pour vous. Il y a des emplois en Côte d'Ivoire. Le tout, c'est de savoir s'orienter. Le lycée scientifique de Yamoussoukro, un choix guidé par la volonté de susciter le goût de l'effort chez des élèves naturellement doués. Ces derniers ont compris le message. Nous avons aujourd'hui l'occasion de vivre en vrai comment se construit un pont. Donc ça nous permet déjà de pouvoir avoir l'envie de construire notre pays et de savoir qu'il y a déjà des bâtisseurs qui ont mis les fondations. Le troisième pont, mais aussi la visite à d'autres projets agricoles et agro-industriels dans les prochains jours. Les initiateurs veulent former autrement les dirigeants de demain. Initialement prévu pour être livré début 2014, l'échangeur de la Riviera sera livré à la fin du premier trimestre 2014. C'est le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, qui l'a annoncé. Et puis, Abidjan accueillera la conférence stratégique de l'Union postale universelle, UPU, en octobre 2014. Le conseil d'administration de cette organisation a formellement accepté l'invitation du gouvernement ivoirien d'abriter cette rencontre. En sport, le Cameroun s'est qualifié hier pour le Mondial 2014 pour la septième fois en s'imposant 4-1 à Yaoundé face à la Tunisie lors des barrages pour la Coupe du Monde. Le ministre de l'Intérieur français Manuel Valls était en déplacement dans la capitale malienne. Ce week-end, il a rencontré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont échangé sur les relations entre le Mali et la France. Il a également été question de l'enquête sur l'assassinat de deux journalistes français du RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, un dossier désormais placé sous la responsabilité du procureur de Paris. Et puis pour terminer, l'ingénieur français Francis Colomb, enlevé en décembre 2012 au Nigeria, est libre après avoir réussi à s'évader. L'otage français s'est libéré de l'emprise du groupe islamiste Ansarou qui le détenait. Le président français a exprimé toute sa gratitude aux autorités nigérianes pour la libération de l'ingénieur tout en assurant que la France n'avait cessé de déployer tous ses efforts pour parvenir à ce dénouement heureux. Le président français François Hollande qui est en visite en Israël et dans le territoire palestinien pour une visite de 3 jours, une visite dominée par le dossier du nucléaire iranien. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.
Thank you.